deux véhicules sont entrés en collision et se sont retrouvés sur le toit dans la nuit de samedi à dimanche sur la départementale 115 qui relie Bertry et Caudry. Selon nos confrères de la Voix du Nord, les sapeurs-pompiers n'ont rien pu faire pour sauver deux de ses occupants, tandis que le troisième, grièvement blessé, était évacué vers le centre hospitalier de Cambrai après avoir été médicalisé sur place. Dans le second véhicule, une personne légèrement blessée a été prise en charge par les secours. Il était alors question de deux autres occupants qui auraient quitté les lieux. Une équipe cynophile de la gendarmerie est intervenue dans la nuit pour tenter de les retrouver. Le drone des sapeurs-pompiers, équipé d'une caméra thermique, a été déployé pour scruter le champ avoisinant plongé dans une nuit noire, en l'absence d'éclairage public. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.